Bonjour, je vous propose aujourd'hui un cas concret de ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous faites des soumissions sur des annuaires. Donc là, c'est un cas typique concret, une fiche qui m'a été soumise donc, pour un site. Alors déjà, la première chose, c'est que dans le titre, vous avez une adresse web et après, dans le lien à faire, en fait, vous en avez déjà une autre. Donc voilà, on se fout déjà pas mal de la gueule d'un annuariste. Ça, c'est déjà franchement désolant. En plus, faut savoir que la personne qui fait ce genre de fiche le fait sur des dizaines et des dizaines d'annuaires, hein, puisque j'ai eu le droit sur tous les annuaires que je gère. Donc, avis à la personne qui fait ça, c'est plus la peine, arrêtez, hein, ne soumettez pas, ça sera refusé partout. Vous perdez votre temps et vous nous faites perdre notre temps. Donc, et puis donc, en même temps, je vais adresser un message à la société qui gère les parkings, que ce soit celle-ci ou celle en dessous, changer de référenceur, hein, franchement, parce que là, c'est du travail ni fait ni à faire. Et puis, vous allez vous attirer, franchement, pas la sympathie des professionnels du référencement. Là, parce que je vous avoue, là, on perd du temps pour vos conneries. Donc, changez de référenceur, ou sinon, vous aurez des mauvaises surprises. Ça viendra pas de ma part, hein, c'est pas une menace, je vous rassure. Mais il y a des gens qui sont bien moins gentils que moi. Donc, voilà, si vous voulez pas avoir de surprise, changez de référenceur. Pourquoi? Déjà parce que le titre est pas français. Hein, donc, moi, je suis désolé, mais une société française hein, qui laisse faire du référencement en employant des formules pas françaises, ça fait pas sérieux. Hein, franchement, moi, ça me donne pas envie d'utiliser vos parkings. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez le vérifier par vous-même. Je vais vous faire la démonstration. Hein. Si on prend le contenu, hop, copier, vous allez dans Pause vidéo, vous allez voir, c'est des contenus 100% dupliqués. Hop, on appuie sur vérifier. Voilà. Bon, là, il affiche que 45%, mais en fait, il ne faut pas se fier au pourcentage, hein, puisque le texte d'origine est plus important. Mais sinon, on peut prendre les trois phrases, trois ou quatre phrases, une à une. Voilà, si on prend la première, vous faites une recherche sur Google. Hop, attendez, on fait une recherche sur Google. Voilà, vous allez voir, la phrase, elle est 100% dupliquée. Voilà, hein, puisqu'elle est marquée en noir, on retrouve mot pour mot la phrase. Voilà, donc le contenu dupliqué, hein, je ne vous apprends rien, c'est hyper mauvais pour votre référencement. Voilà, c'est à proscrire. Hein. Puis en plus, sur cet annuaire, il est demandé entre 120 et 150 mots. Là, vous pouvez voir aisément qu'il y en a 89. Donc en gros, c'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Donc la personne, sarah.benan.outlook.com, franchement, surtout ne lui confiez pas votre référencement. C'est de la merde, c'est de l'escroquerie, et rien de tel pour faire flinguer le référencement de votre site. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!